Pippa Middleton et le reste de la famille Middleton ont fait leur entrée dans la chapelle Saint-Georges, ce 19 mai. Découvrez-les avec Closer. Pippa Middleton et le reste de la famille Middleton sont arrivés à la chapelle Saint-Georges, ce 19 mai aux alentours de 11 h. Habillée d'une robe mi-longue couleur verte amande et ornée de broderies florales, la jeune femme est apparue bien plus sage et discrète que lors du mariage de Kate Middleton et du prince Harry en 2011. À l'époque, la jeune femme avait attiré tous les regards, notamment au sujet de sa sublime chute de rein divinement dessinée dans la robe blanche qu'elle portait en tant que demoiselle d'honneur. La mère de Kate Middleton, elle, arbore un ensemble robe et veste longue d'un vert menthe, tandis que les hommes de la famille ont misé sur un classique, le costume noir. Seule variante, la cravate. Le frère de Kate et Pippa Middleton a choisi une cravate dans les tons violets. Le mari de Pippa, James Matthews, a choisi une cravate rose et un gilet de costume bleu ciel. Un ensemble assez surprenant. Kate Middleton et le prince William arriveront plus tard, juste avant Meghan Markle et le prince Harry. Des célébrités ont aussi commencé à s'installer. Parmi elles, Amal et George Clooney, David et Victoria Beckham ou encore James Blunt, Oprah Winfrey et Serena Williams.